Merci de choisir TATV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au Palais Sekou-Touré sous l'égide du président Alpha Condé. Les travaux ont essentiellement porté sur la communication de trois membres du gouvernement, Aboubacar Condé. Il s'agit de la ministre de l'économie et des finances qui, selon le porte-parole du gouvernement, a fait une communication sur les principaux constats et recommandations du rapport d'audit des marchés publics des exercices 2013-2014 et le premier trimestre 2015. Malado Kaba a rappelé que cette démarche vise à améliorer la gouvernance économique et financière du pays. À l'issue du travail, plusieurs constats ont été révélés. L'inexistence ou la faiblesse d'un système physique de classement et d'archivage opérationnel. La non-inscription dans un plan prévisionnel annuel des marchés passés en 2015. Le recours à la procédure par entente directe, gré à gré, en violation des dispositions du Code des marchés publics. Les longs délais de passation des marchés. Le non-respect du délai d'exécution contractuelle et la non-application des pénalités de retard. La non-application des intérêts moratoires. Le non-respect des modalités de paiement définies dans ces marchés. Pour inverser la tendance, les recommandations ont donc été formulées, notamment la mise en place d'un système physique de classement et d'archivage opérationnel centralisé pour les documents relatifs aux marchés et contrats, inscrire obligatoirement dans un plan prévisionnel annuel tous les marchés à passer au cours d'un exercice budgétaire. La deuxième communication du Conseil était celle du ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie numérique. Le ministre a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre de la production d'alevins et de géniteurs de qualité pour l'approvisionnement de sites piscicoles de Guinée et des sites hydrauliques, retenues d'eau et mares propices dans les régions de la Guinée. Il a expliqué que la réalisation du projet permettra de renforcer les capacités des pisciculteurs, d'améliorer la production d'alevins de qualité, combler le déficit en alevins et poissons marchands et doter suffisamment les marchés pour qu'ils ne dépendent pas uniquement des importations de poissons frais ou fumés en provenance de Conakry ou d'ailleurs. Quant au ministre de la fonction publique, sa communication portait sur le plan de réforme de l'administration et de la fonction publique. À ce niveau également, des observations ont été faites. La validation du plan de réforme tel qu'exigé par les bailleurs de fonds. L'impact de l'axe stratégique 2, à savoir amélioration et fiabilité de la gestion du personnel de l'État sur le recensement biométrique des fonctionnaires déjà effectués. La situation des fonctionnaires qui émargent dans les départements ministériels tout en travaillant dans le privé. La problématique de gestion rationnelle des effectifs de la fonction publique et l'impunité au niveau du service public. Deux décisions ont sanctionné la rencontre, notamment la validation formelle du plan d'action triennal de réforme de l'administration et de la fonction publique en cours d'exécution. Médias et planification stratégique de la communication électorale, c'est la thématique d'une formation qui a démarré ce jeudi à Conakry. Initiative de la Commission électorale nationale indépendante en collaboration avec la francophonie. Durant trois jours, les professionnels des médias vont échanger avec d'autres experts sur comment construire une communication efficace pour une élection réussie. Salim Kondé nous fait le point. C'est pour éviter les dérapages professionnels en période électorale que la CENI et ses partenaires ont initié cette rencontre d'échange et de partage. Elle permettra d'outiller les journalistes sur les dispositifs de couverture des élections, le rôle des médias dans la démocratie ainsi que le fonctionnement et l'autorégulation. À travers cette formation, selon le président de la CENI, les professionnels des médias seront dotés d'outils techniques de communication électorale. Cette formation présente un intérêt majeur, nous pensons, pour vous les journalistes, qui peinent souvent à accéder directement aux informations fiables via la CENI elle-même ou par ses services de communication agréés. Les médias relaient des informations sur le processus électoral en s'appuyant sur des sources dérivées ou officieuses, pas toujours fiables. Les mêmes médias manquent bien souvent de connaissances suffisantes sur le déroulement des opérations électorales ainsi que leurs spécificités. À travers cet atelier qui va se dérouler sur trois jours, vous, les journalistes, serez formés à une meilleure connaissance des outils et techniques de la communication électorale. Le représentant de la francophonie, Cyril Jondo, lui, a exhorté les journalistes à éviter le mauvais traitement des informations en période électorale,
car selon lui, cela peut conduire un pays en construction démocratique dans des violences post-électorales. Il n'y a pas d'élection sans médias. On peut regarder d'ailleurs les médias comme si on regardait un verre à moitié plein, à moitié vide. Tantôt ces médias jouent un rôle ou peuvent jouer un rôle néfaste dans la conduite des processus électoraux. Rappelons un seul fait triste de l'histoire. Radio Mille Collines, dont on dit qu'elle a contribué à l'aggravation de la crise au Rwanda. Nous le disons chaque fois, les journalistes en Afrique doivent éviter que l'on retombe sur ces travers où les médias, au lieu d'aider à la formation de l'opinion, attisent plutôt la haine et contribuent au blocage de tous ordres que l'on observe dans les processus électoraux. Il suffit de donner une mauvaise information. Cette formation et tant d'autres s'inscrivent dans le renforcement des capacités des hommes de médias pour une bonne connaissance du système électoral. La rencontre annoncée entre le président de la République et le chef de file de l'opposition guinéenne est aujourd'hui accueillie avec satisfaction par la présidente du Conseil économique et social. Pour Raga Rabia Toussira Gallo, cette audience annoncée entre grands frères et jeunes frères sera certainement une opportunité de trouver solution sous l'arbre à palabres à la crise sociopolitique que traverse actuellement le pays. C'est un reportage de Sayon Kouma rendu en studio par Yao Bachir. Selon un communiqué de la présidence, le professeur Alpha Condé invite Seydou Dalein Diallo et le représentant de la mouvance présidentielle à une audience. Le communiqué qui ne fixe aucune date pour ces audiences précise toutefois que la date de cette rencontre sera fixée de commun accord sans donner plus de précision. Et c'est avec réjouissance que la présidente du Conseil économique et social a appris cette nouvelle. Car pour Hadja Rabia Toussira Diallo, il s'agit là de décrisper la situation politique actuelle guinéenne. L'appel lancé à tous les niveaux est entendu par le président de la République. Et cela doit être entendu aussi par l'opposition. Pour apaiser les uns et les autres. Parce que on a besoin de ça. Donc il faut positiver et féliciter et encourager, mais que ça ne s'arrête pas à ça. Une fois qu'ils vont trouver la solution, il faut continuer sur cette lancée. Je vous ai dit, il s'agit du grand frère et du jeune frère. Si vous vous entendez, vous voyez le peuple de Guinée, vous voyez les jeunes, vous voyez les sages, vous voyez les femmes, vous voyez tout ceci, tout ce beau monde qui vous accompagne, vous devez aussi les récompenser, leur envoyant, en prenant le bon ascenseur pour leur rendre la monnaie. Pour la présidence de la République, cette audience s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques portant sur les questions d'intérêt national, notamment les efforts à fournir pour relancer le dialogue politique national. La présidente du CES se dit optimiste de voir que cette impasse politique sera résolue à travers cette main tendue du chef de l'État. Nous devons les aider au lieu de dire « Ah, le président devrait faire ça hier, il ne l'a pas fait hier, mieux vaut tard que jamais. Il ne l'a pas fait hier, il l'a fait aujourd'hui, tant mieux, pourvu que nous allons dans ce sens. Ah, le chef de l'opposition a fait ceci et cela. » Non, pas de commentaires autour, pas de mots qui peuvent amener encore à mettre le feu dans le pays. C'est plutôt encourager les uns et les autres à se parler. Il y en a qui, s'ils ne sortent pas le matin, ils n'ont pas quoi manger. Il y en a qui, s'ils ne tournent pas, ils n'ont pas quoi manger. Tu trouveras dans une famille où le père, la mère, les enfants, personne ne travaille. Donc, pourtant, il y a des mouvements ici, tout est arrêté. Et le pays devient encore plus pauvre. Donc, rien ne marche. Les opérateurs économiques, l'économie, tout est au ralenti. Il faut qu'on évite cela. A rappeler que cette rencontre annoncée entre le président de la République et le chef de file de l'opposition guinéenne sera la toute première officielle au compte du second mandat du professeur Alpha Condé.
Une audience annoncée au moment où l'opposition projette une marche de rue sur l'autoroute Fidel Castro. L'atelier national sur l'analyse de la situation de l'enfant et de la femme en Guinée s'est ouvert ce jeudi 25 août à Conakry. Objectif, outiller les acteurs clés du processus de préparation de la cite en 2016 et procéder avec eux à une identification et l'analyse participative des causes immédiates des principales privations dont souffrent les enfants et les femmes de Guinée. Fatmata Bintaba. En Guinée, 9 femmes sur 10 âgées de 15 à 45 ans sont excisées. 49% de jeunes filles sont scolarisées. La mortalité infanto-juvénile est de 122 décès pour 1000 naissances vivantes. Ces chiffres sont les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2012 qui étale en partie la situation de l'enfant et de la femme dans le pays. Qu'en est-il de leur situation actuelle? C'est la question à laquelle que les acteurs clés du processus de préparation de la cite en 2016 tenteront de trouver une réponse durant les prochaines 48 heures à Conakry. C'est du reste, pour actualiser la plupart de ces indicateurs que l'UNICEF vient de lancer en partenariat avec le gouvernement et d'autres partenaires techniques et financiers, l'enquête mixte qui pourra nous donner des résultats préliminaires d'ici la fin de l'année en cours. C'est également dans ce contexte que s'inscrit le présent atelier qui permettra d'outiller les acteurs du processus de préparation du nouveau cycle de programme et ainsi de procéder avec nous tous, avec tous les partenaires et le gouvernement en premier lieu, les organisations de la société civile, à une analyse participative des causes immédiates, sous-jacentes et profondes des principales privations dont souffrent les enfants et les femmes de Guinée. Pendant ces 2 jours de travaux, 2 approches seront au cœur des discussions. Au cours de ces 2 jours d'atelier et durant le processus de la conduite de cet atelier de l'analyse, l'accent sera mis sur l'approche cycle de vie. En effet, les besoins des enfants varient en fonction de leur âge. Et l'approche cycle vie permet de mettre en évidence les vulnérabilités spécifiques à chaque tranche d'âge. Cet espace d'échange et de partage devra ainsi aboutir à l'élaboration d'un document qui définit les stratégies et moyens de promotion et de protection des femmes et des enfants de Guinée. Pour l'atteinte des objectifs, le département de l'action sociale ne cache pas son engagement. Le département de l'action sociale s'engage une fois de plus à faire de la volonté de ses partenaires, plus particulièrement la volonté de l'UNICEF, créer un cadre idéal de vie pour les enfants et pour les femmes, son bataille de tous les jours. Je prends l'engagement donc que l'UNICEF ne sera jamais déçu du ministère de l'Action sociale. En attendant la réactualisation des données, l'analyse de la situation des enfants et des femmes sera basée sur les études récentes dans l'EDS 2012 et l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants de 2014. Les candidats du Hajj 2016 se trouvent dans une situation difficile. Les conditions de voyage mal définies, le manque de respect du programme officiel et autres facteurs négatifs affectent dangereusement la vie de ces candidats dans l'enceinte du centre islamique de Donka. Ils dénoncent à date les tracasseries dont ils font objet avant leur départ. Moussa Sefa Camara. Ces candidats au Hajj 2016 sont dans la tourmente, abandonnés à eux-mêmes. De qu'un passe la nuit à même le sol à la belle étoile, au su et au vu des autorités. Une vague de candidats sont depuis le 23 août dernier programmés pour des formalités, mais jusqu'ici rien n'en est. Ce qui me choque le plus, c'est qu'il n'y a aucune autorité qui vienne s'arrêter pour nous donner une quelconque explication. Je me sens abandonné à moi-même, à la belle étoile, comme un bœuf. Nous sommes là, même pour nous dire aujourd'hui il n'y aura aucun passeport, allez vous reposer, on ne nous dit pas. Nous restons assis dans la salle, dans une chaleur, dans une très haute chaleur, nous passons la nuit assis dans des petites chaises. Assise sous le manguier dans la cour du centre islamique de Donka, Maria Madialo raconte son calvaire.
on passe la nuit ici sans se laver. Regarde des habits, c'est des habits de 4 jours comme ça. Comment on peut rester comme ça sans brosser le dents? On mange comme ça de petits plats de 4000 et de 3000. Tu sais, ça va pas. Non loin de là, sa voisine Fatoumata Diallo qui exprime son désespoir concernant les conditions de voyage. On est ici par le hasard. Si tu entends ton nom, tu vas. Si tu n'entends pas, tu restes. On ne te dit pas tu vas demain ou après-demain. Rien n'est programmé ici. Ils ont mélangé tous les passeports. Ils ont dit qu'il y a des passeports qui ne sont pas visés jusqu'à présent. Et ça nous fait de la pitié puisqu'on mange mal, on est tous malades. On est grippés, moi-même je ne peux même pas parler. On est grippés. Sur les lieux, aucun responsable ou membre de la commission d'organisation pour répondre. Cette année, ce sont 70 000 Guinéens qui devront rallier l'Arabie Saoudite pour accomplir leurs devoirs religieux à la Mecque et à la Médine conformément à la tradition islamique. Culture dans cette édition, après 10 ans de silence, Ibro Diabaté signe son retour sur la scène musicale guinéenne. L'artiste annonce son nouvel album de 9 titres intitulé « Dérangé pour arranger ». Dans ce nouvel opus, Ibro Diabaté traite des questions d'actualité qui concernent le monde. Ça à Luyombuno pour plus d'explications. Devant un parterre d'hommes de médias, Ibro Diabaté chante un extrait de son nouvel album pour signer son comeback sur le marché de disques guinéens. Dérangé pour arranger, un opus de 9 titres dont use l'artiste pour peindre les réalités du monde actuel. Le monde est dérangé. Mais qui a dérangé le monde? C'est nous-mêmes. Si Palestine n'attaque pas Israël, Tripoli va attaquer Algérie. Mais ça, c'est un dérangement. Dès que tu seras chef d'État, tu veux saccager tout ici pour mieux faire. Et nous, on est là maintenant. Tu as gâté nos petites cases jusqu'à 10, 20 ans. On est au dehors, sans réaliser ça. Mais tu as dérangé pour rien. Je suis venu à Manille, plein de mêmes. Les mêmes personnes-là. Déranger, c'est pas mal. Même pour arranger. Tu peux déranger, mais il faut arranger. Attendu le 14 octobre prochain, la nouvelle œuvre de l'enfant de Diakanké Kounda est une production des maisons Tidian World Music. Cuisinée entre Bamako et Paris, Dérangé pour arranger est un mélange de couleurs musicales que l'artiste dispose pour confirmer sa suprématie dans le secteur culturel en Guinée. Dérangé, c'est un mélange de beaucoup de musiciens français, antillais, guinéens pour avoir cette qualité-là. D'ailleurs, la femme m'a dit, va me tirer les oreilles quand j'ai entendu les cuivres de Arranger pour Déranger, parce que l'exclusivité du reggae, c'était pour la femme m'a dit, mais aujourd'hui, et bon, c'est un jeune frère, et il laissera passer ça. Dans l'album Déranger pour Arranger, le trio Tidjan, Ibro et Bonkana Maïga se retrouvent pour donner une nouvelle sonorité plus performante que celle de 1992, année à laquelle Ibro Diabaté sortait son tout premier album intitulé Alanana. C'est vrai qu'il y a des titres modernes, mais on n'était pas très loin de Alanana. Mais en meilleure qualité de son, parce que ce qu'on avait en 90, c'est pas la même chose maintenant en 2016 aujourd'hui. Donc après 23 ans, forcément le son devrait être meilleur. Et surtout, j'ai dit à Ibro, pour moi, la force de l'album aussi, c'est de ne pas faire jouer des synthétiseurs dans un disque électronique ça fatigue les oreilles. Détenteur de plusieurs distinctions, l'artiste promet un spectacle haut de gamme pour ses fans, envers lesquels, dit-il, il a un devoir. Le promoteur culturel Tidjan Souma répond au rappeur Gianni Alpha qu'il a clashé récemment dans un de ses sons nommé Les Mêmes Goûts. Déception, colère, ce sont ceux qui animent aujourd'hui le boss des productions Tidjan World Music puisqu'on a joué avec son nom. Pour le promoteur culturel, l'acte ne restera pas impuni. Soyons gourmands. Et qui d'ici, le bouton là? Depuis presque une semaine maintenant, un son du rappeur Gianni Alpha en featuring avec DJ Esco du groupe DHR fait du buzz sur le net et dans la capitale Conakry. Les Mêmes Goûts est le titre de ce son. Dans ce morceau, les deux rappeurs n'ont pas hésité de citer des noms des personnalités comme Tidjan Souma
pour dénoncer leur comportement pro-catholique. Le promoteur culturel guinéen exprime son désarroi. Depuis la sortie de leur truc, j'ai compris qu'il y a un manque de respect, puisqu'on n'a pas les mêmes fréquentations. J'ai compris qu'il y a ce qu'on appelle les aller un peu trop loin. Un manque de respect pour la femme guinéenne. Et si c'est un buzz qu'ils cherchaient pour se faire un nom, ils sont plantés. Il y a ce qu'on appelle du buzz, il y a ce qu'on appelle de la bassesse humaine. Ils ont fait ce qu'on appelle la bassesse humaine. Le patron des productions Tigane World Music dit ne pas comprendre l'attitude des deux artistes. En sa qualité de précurseur de la musique urbaine, comme il le prétend, Tigane Souma s'est dit déçu le fait qu'on ait joué avec son nom. Mon nom, tu n'as pas le droit de l'utiliser comme tu veux, parce qu'il m'appartient. Et quand tu l'utilises, tu n'as pas à le répéter. Parce que je veux t'assigner et je veux te poursuivre. Parce que j'ai travaillé dur pour avoir ce nom. Je ne te laisserai pas le salir. Parce qu'il ne mérite pas que tu l'utilises comme tu veux. Pourtant, Gianni est l'un des artistes pour qui Tigane dit avoir un respect. L'artiste a participé à beaucoup de ces événements, mais aujourd'hui, c'est certainement la justice qui pourrait les départager. Donc, qu'ils se donnent la peine de s'amuser avec nos noms comme s'il y a un contrat, il n'a pas le droit. Voilà le bon français. Et lorsque on sort du droit, j'utilise le droit pour me défendre. Donc, ma déclaration, elle est unique. Elle est aujourd'hui. Parce que nous ne pas que nous, on a des enfants. Et on n'est pas dans les jungles. Il y a une limite à tout. Et moi, je mettrai la limite. A rappeler que les relations entre Gianni Alpha et Tigane Souma ne sont plus au beau fixe depuis les concerts du rappeur franco-guinéen Black M. Ce jour-là, Gianni était annoncé, mais ne s'était pas produit, faute de compréhension. Et depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. L'ancien ministre d'Oumar Bongo, Pierre Maganga Moussavou, ne se ralliera pas derrière la candidature de Jinping. C'est un seul qui part affronter le président gabonais Ali Bongo dans les urnes ce 27 août. Et à deux jours du scrutin, il est toujours à la conquête des électeurs. Suivez. Président du Parti social-démocrate gabonais, maire de la ville de Nouila, ancien ministre d'État sous Omar Bongo, candidat à l'élection présidentielle de 1993 et de 1998, en course pour le scrutin du 27 août 2016, Pierre Claver Maganga Moussavou fait partie des candidats les plus expérimentés de cette campagne. Son projet pour le Gabon, la provincialisation, qui vise à doter les communes de plus de moyens financiers afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Il faut apporter à leur ville, à leur département, au monde rural, les moyens nécessaires pour assumer le développement, éviter l'exode rural. C'est en 1990 que Pierre Claver Maganga Moussavou crée le Parti social-démocrate gabonais. Maire de Mouila depuis 2006, la ville est aujourd'hui son principal fief politique. Son expérience politique est selon lui son principal atout pour accéder à la magistrature suprême. Je peux, avec un peu d'assurance, dire que les Gabonais et les Gabonais peuvent être fiers de Pierre Claver Maganga Moussavou. Depuis le lancement de la campagne présidentielle, Pierre Claver Maganga Moussavou parcourt les communes gabonaises pour promouvoir son projet de société. En 2009, il avait recueilli 2576 voix, soit 0,76% des suffrages. En France, alors que la polémique sur Burkini bat son plein, le Conseil d'État va se prononcer cet après-midi sur la légalité de son interdiction. Suivez.
C'est à lui de donner le point final à ce débat qui enfle et qui divise la classe politique. Le Conseil d'État se penche ce jeudi sur le port du burkini. Les arrêtés interdisant ce maillot de bain sont-ils légaux ou non? La plus haute juridiction administrative française doit répondre. Saisie notamment par la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie en France, le Conseil d'État doit déterminer si le texte anti-burkini porte atteinte aux libertés fondamentales. Pour beaucoup, ces arrêtés signés par une trentaine de communes vont à l'encontre des valeurs laïques prônées par la France. Le principe de laïcité n'a pas vocation à s'appliquer sur l'espace public. On est ici sur une plage, on n'est pas à l'école, on n'est pas dans une administration. Et qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public réel du seul fait du port d'un burkini. Enfin, nous ne sommes pas encore dans une société où le seul fait de porter un signe ostentatoire de la religion suffit pour créer une émeute ou une rixe. Quelle que soit la décision finale du Conseil d'État, la polémique ne va pas retomber de sitôt. Les collectifs opposés à ces arrêtés municipaux ont d'ores et déjà promis que le débat ne s'arrêtera pas là. Si par extraordinaire le Conseil d'État nous donnait tort, ce que j'avoue difficilement à imaginer, à partir de là, nous serions amenés à saisir la Cour européenne des droits de l'homme du problème et surtout à constater là pour le coup ce que nous ne cessons de dire depuis la proclamation de l'état d'urgence, c'est-à-dire de dégradation plus que sérieuse de l'état de droit en France. Le Conseil d'État, formé de 3 juges, doit rendre sa décision dans un délai maximal de 48 heures. Le bilan est désormais de 247 morts dans le centre de l'Italie, touchés ce mercredi par un violent séisme. De nombreuses personnes sont encore portées disparues. Les secours sont à pied d'œuvre dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Regardez. L'opération est minutieuse. Sous les décombres, une petite fille d'une dizaine d'années bloquée depuis près de 15 heures. Après de longues minutes, sous les yeux des habitants, Julia est extirpée des débris par les équipes de sauvetage. Un miracle et une victoire pour les secours. À Matrice, à Cumuli ou encore Norcia, les recherches pour retrouver d'éventuels survivants se sont poursuivies toute la nuit en Italie. Le Premier ministre italien Matteo Renzi était sur place hier pour exprimer sa solidarité. Il se dit déterminé à tout mettre en œuvre pour secourir les victimes. Le gouvernement est déterminé à ne laisser personne, aucune famille, aucune communauté, aucun quartier seul. Nous allons continuer à retirer les survivants des décombres et nous pourrons redonner de l'espoir à ce pays si brutalement frappé. L'ampleur du séisme d'hier est déjà catastrophique. Le village de Pescara del Tronto est pratiquement rayé de la carte. Des camps ont été installés à proximité des villages touchés pour accueillir les quelques 2500 personnes désormais sans toit. L'Italie est sous le choc, même si le pays a déjà connu des tremblements de terre de forte intensité. En 2009, un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter avait fait plus de 300 morts et des milliers de réfugiés. Après plus d'un demi-siècle d'affrontements et 4 ans d'intenses négociations, la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC et le gouvernement de Bogota ont annoncé être parvenus à sceller un accord de paix définitif. Le texte sera soumis au peuple colombien lors d'un référendum prévu le 2 octobre prochain. Regardez. C'est la fin d'un demi-siècle de conflits armés. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont conclu un accord de paix historique. Les négociations entre les deux parties s'étaient ouvertes il y a 4 ans sous l'égide de Cuba et de la Norvège. Après de longues années de négociations, l'accord de paix finalement trouvé devrait être final, intégral et définitif. Une nouvelle célébrée par les Colombiens qui se sont réunis par centaines à Bogota mercredi. C'est un cri, une clameur populaire pour que se termine cette guerre fratricide, ce conflit armé que nous avons vécu pendant des siècles. La paix nous donne la possibilité de grandir dans un monde sans violence armée, mais nous savons qu'elle ne sera pas complète que lorsque tous les droits seront accordés. Le droit à l'égalité, à l'éducation, à la santé, c'est un grand pas, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire que je souhaite pour mon fils. Nous allons voir moins de polarisation politique violente et nous allons voir de nouvelles personnes participer à la vie politique, se battre pour leurs idées, mais sans armes. Le président colombien a déjà annoncé la date du scrutin. El plebiscito por la paz.
Le plébiscite pour la paix aura lieu le dimanche 2 octobre. Je répète, le dimanche 2 octobre. Une fois effectif, il permettra aux FARC de participer à la vie politique colombienne. Les anciens membres des FARC qui ont laissé les armes pourront accéder à la vie politique du pays en démocratie. Ils devront, comme n'importe quelle autre organisation politique, convaincre les citoyens avec des propositions et des arguments pour être élus. Cet accord de paix a commencé à être acclamé par la communauté internationale. Martin Schulz, le président du Parlement européen, l'a notamment qualifié d'extraordinaire. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'attention et bonne suite au programme.